On tourne. Mesdames et messieurs de la presse, je salue votre présence à cette conférence de presse consacrée à l'évaluation de l'impact de l'appel du rassemblement à la ville morte sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour les journées du 8 et du 9 août 2017. Le rassemblement tient à informer l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. 1. Le rassemblement note avec satisfaction que son mot d'ordre appelant à la ville morte pour les journées du 8 août et du 9 août 2017 a été globalement bien suivi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 2. Le rassemblement rend hommage, un hommage mérité, au peuple congolais, victime du régime prédateur et tyrannique de Joseph Kabila, qui a su, par la réussite totale de cette action ville morte, prouver qu'il est capable de se prendre en charge. 3. Avec l'action ville morte, le rassemblement se félicite du bon démarrage de la mise en œuvre de sa nouvelle feuille de route, adoptée à l'unanimité par les participants à son deuxième conclave tenu à Kinshasa du 21 au 22 juillet 2017. Le rassemblement fustige et condamne avec la plus grande fermeté la coupure des réseaux sociaux pendant les journées ville morte des 8 et 9 août 2017, constituant là une censure insupportable et inacceptable, car celle-ci contribue encore davantage au rétrécissement de l'espace politique et aux violations de nos droits et libertés fondamentaux. 5. Le rassemblement déplore les nombreuses pertes en vies humaines survenues le lundi dernier et stigmatise avec véhémence l'utilisation disproportionnée de la force publique à l'encontre de paisibles citoyens n'exerçant que leur droit constitutionnel de manifester. 6. Le rassemblement rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle feuille de route, il poursuivra ses actions par l'organisation de matinées politiques de sensibilisation et de mobilisation à partir du 20 août, qui aboutiront par la tenue de grands meetings populaires le dimanche 3 septembre 2017 à Kinshasa et dans toutes les provinces du pays. Je vous remercie pour votre bienveillante attention et je me mets à votre disposition pour des questions supplémentaires éventuelles. Merci. Mot d'ordre, oh yobo respecté, il y a rassemblement. Mot d'ordre, il y a ville morte. Na lingi na ebisabino ete rassemblement azui makasi mingi na esengo mingi na komona que peuple congolais est misui en charge. Po boyebi bien que tentative ya sabotage et le kaki mingi po na ba ville morte au mibale à mardi. Na mercredi et l'équi. Bokanisa malamu, lundi, babomaki bande konabiso, ebele awa na Kinshasa, pe na boma na matadi, po ete bakoti sa bobangi na kati ya ville, po mardi na mercredi, eloko ya malonga esa le mate. Si manayango, bakati biso, ba internet, po mokolo oyo, baksyon ane ko salema, batuba ko kakotambu sa ba imaj te, eo eza ko lakisa ke peuple alandi massivement appel o ya rassemblement. Kasi biso, toza ko zongi se la bango ke, toko banga bango te, bo bangi to si to longoli, to tindeli bango yango, e komina kana bango. E sengeli, biso to pikapende po mikolo eza lisusu milaite, mikolo komi abotangi,
changement ezali na nzela changement ekosale manamboko oyo pe na mbula oyo ya 2017 voilà pourquoi tozali koyebisa bino que tokolembate ba ville morte oyo epesi biso makasi toko continuer à partir ya le 20 août toko banda eloko tozobenga ba matinée politique bisika nyonso oyo esengeli ko contacter bana mboka toko contacter bino boko yokango na sango ba matinée politique wana ko salema ebele ti na le 3 septembre ezali koya nde toko sala ba meeting ebele na na Congo mobimba moko ko salema ya monene awa na Kinshasa pe na ba chef l'union sur ba province nde likambo na nga na yebisa bino na tondi bino botondi pe na bakisi susu longoni ya mingi na ndenge bo observa ki ba ville morte wana merci beaucoup. Questions, on va prendre. Président, nous aurons l'honneur d'avoir cette réponse provenant de vous qui assumez la présidence du rassemblement, un rapprochement UNC-rassemblement en vue de déboulonner le chef de l'État Joseph Kabila. Et quelle est la réponse officielle que le rassemblement peut réserver à l'UNC par rapport à cet optimisme de pouvoir intégrer ou se rapprocher du rassemblement pour des actions visant les départs du chef de l'État. Bon, je n'ai pas pour habitude de régler ce genre de problème en public. Ça, c'est une chose. Et la seconde, permettez d'abord à l'UNC, si c'est le cas, de faire cette demande officiellement, c'est-à-dire à mon niveau, pour que j'en sois d'abord sûr et que je puisse lui réserver la réponse qu'il faut après, évidemment, avoir consulté le Conseil des sages du Rassemblement. Donc, à ce stade, je ne peux répondre à cette question parce que nous sommes en public et parce que, d'autre part, je n'ai pas reçu une demande officielle de l'UNC allant dans ce sens. Oui, le nom de l'ISMB du chef de l'Union. Malgré cette erreur, nous avons constaté la sortie en colère de M. Kimanga. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui est à la base de cette sortie un peu en colère en public? Ben, vous savez très bien que lorsque on est en politique, il y a des débats, il y a des hauts et des bas. En politique, on se tiraille. En politique, on discute, on diverge. Mais ça finit toujours par une convergence et par repartir dans l'unité vers l'objectif commun. Je crois qu'au moment où nous parlons, cet incident est clos et bien clos. Il faut regarder l'avenir. Une question au milieu, oui. Merci. Et nous nous afférons à ce que cela arrive parce que c'est une énorme injustice. Évidemment, ce procès, comme vous dites, la tournure que ce procès a prise démontre à suffisance que nous avons une justice de pacotille dans ce pays. Et que lorsque cette justice, qui est fondée sur le mensonge, a croisé le fer avec des avocats de la trempe de maître Jean-Joseph Mukendi, elle finit par tourner au ridicule. Donc nous pensons que cette histoire, qui n'est qu'une pure invention des laboratoires kabylistes, va très bientôt s'estomper et que M. Katumbi pourra rentrer dans son honneur et dans ses droits et pourra retourner au Congo. Les deux dernières, une à vous derrière. D'abord, par rapport à cette comédie que joue le gouvernement, qui manifestement n'a aucune réponse à donner à son incapacité à maintenir l'ordre et la sécurité, et même son incapacité à régler les problèmes économiques et sociaux qui frappent de plein pied notre population, ce gouvernement s'adonne à cette comédie qui consiste à désigner des boucs émissaires pour justifier justement cette incapacité. Nous répondons avec le sourire et surtout avec beaucoup de sérénité qu'à l'UDPS, nous n'avons jamais et nous n'allons jamais le faire, c'est-à-dire nous n'allons jamais verser une seule goutte du sang congolais ici dans notre pays. Quelle que soit la culpabilité ou non de la personne, de l'individu,
l'UDPS ne le fera jamais. Donc ce n'est pas un mouvement politique qui a bâti plutôt sa lutte, son combat sur la non-violence, qu'on ira faire le procès d'avoir fomenté des choses qui n'ont ni tête ni queue pour un intérêt qui n'est d'ailleurs même pas compris dans ce pays. Nous ne pourrons jamais le faire et nous ne le ferons jamais. Donc qu'ils aillent jouer ailleurs, parce que nous nous sommes occupés à réfléchir sur la manière dont nous allons les chasser du pouvoir. Voilà. Alors, le second volet de la question, c'est sur l'enrôlement. Je sais que tout a été mis en œuvre pour que celui-ci se déroule de la manière la plus décourageante qu'il soit pour nos compatriotes, mais je leur demanderai d'aller nombreux devant les bureaux de vote, d'y faire même le siège s'il le faut, jusqu'au moment où on va les enrôler. Parce que le fait de se décourager et de rester à la maison risque de favoriser la manipulation qui est en train d'être mise en place, qui consiste à faire passer Kinshasa comme ayant eu la population de Kinshasa comme s'étant peu enrôlée, parce que, évidemment, vous pouvez comprendre les raisons évidentes qui militent à ce genre de choses. Donc, je lance un appel aux Kinoises et Kinois d'aller nombreux, peu importe les files d'attente, le temps d'attente, allez-y, faites-vous enrôler, parce que nous aurons besoin de vos voix pour l'alternance et le changement que vous souhaitez vivre dans ce pays. Merci. La dernière question en français, et puis nous allons donner l'occasion à ceux qui parlent lingala de le poser. Et qui pillent ce pays à tous les niveaux. Donc nous n'avons absolument pas froid aux yeux de demander à notre peuple de cesser de donner de l'énergie, du carburant à ce pouvoir qui nous tue. Parce que c'est avec cet argent prélevé des taxes qu'ils achètent les armes qu'ils retournent contre la population. Ce n'est pas du tout anti-patriote ce que nous faisons. C'est au contraire d'ailleurs respecter la Constitution, regarder en son article 28 ce qu'elle dit au sujet des instructions mal données. Voilà. Voilà. Les cinq questions en lingala, oui. Commence par vous. L'enrôlement est de ça, ma micro. Union soyo. Je ne pense pas que la coquille que ça a bise au procès à freiner ville morte. Ville morte, c'est Ninde, il faut Bandagomi Tuna. Pourquoi Azakotia, opérateur, y a saisi Moko par bureau. Yangonde Moutezali qu'on freiner ville morte. A Bakisa, ba opérateur de saisie. Batobati Kakosa Milongo à Milaï, Liboso et Ababuro, il y a enrôlement. Bako Kakosa enrôlé, Noki Noki, Makamon est ici là. Voilà. Stratégie, il y a quoi éviter banditisme. Biso Tokoza en Angote, parce que Biso Tozali, parti politique, Tozali Kobunda, Bitumana Biso et Zali politique. Ce qui moutou, Azali chargé, il y a qu'on protège Nabiso Batutoza Kobunda. Contre yé, à protéger Atia Kimia Namboka, Motoana Zuye Mokomando qui a bandi go Bomaba Namboka, Bonito Sani, à part qu'on dénonce Makambwana. Alors, na Motuna no Aliboso, oui, cohésion Ezali, na rassemblement, pe Kotikala, Bambou Mama Bende Bakenda, Soloana et Sila, Siko Bao Batika Linde Banamala, Moutoko Memamboka, na libération na yon. Mituna na yomi baleza na mutu ya makasi. Bon, nasima boyebi bande kwebele basi bakei. Donc bande kwebele bazaiki na biso na réunion tout à l'heure bakei ezali normal bamsu bavanda mosika ezali normal bakende. Rassemblement ezali na mbo bangelo ko mokote. C'est vrai que bande komisusu net ya G7 ya AR ya ndambu ya société civile bazan siko na poto bakende kibe makamulo ya ba contact avec la politique, mais nani rassemblement eka ukite ndengo zali kolobana tozali biso banso na banzi le 21 na le 22 juillet au monaki yango soko yaki na conclusion ya conclave na biso ba composante nyonso ya rassemblement bazara kiwana pe ba bimisaki feuille de route oyo yebiwana. Alors likambo etangi ozolobana o tangi ya ndeko
Bentimanga. D'ailleurs, nga nazoka keza kombo na ye même pas. Donc mutuana aza même pas do kombo na za même pas kombo na. Azali ya azali de ba ibisinga babi aza kutu mutu ekolo musupoti manga sa son Kasai. Aza même pas mutu Kasai. Donc eza ba fabrication o ya bateau ba salaka. O bibiso na eu des pèces. Soki bakangi ndeko. Famille na ye eyaka ko e monanaka. Eyaka ko tuna, eyaka ko s'inquiéter lelo, pas plus tard que lelo. Bauti nauti ko yamba papa ya ndeko na biso Big Sami. Bao bako ye baye combattant na biso Big Sami o bauta ko kanga lundi te babi na nga mardi. Bakanga eso mardi yena leki na ye. Papa na ye lelo. Mais oyo zo tanga na soki benchi manga na mona ni tata na ye ni mama na ye ni tata mwasi ni leki rien. Alors ye bako iko kanga ye boye une pèce ezoka sangona ete. Non mama ezali fabrication distraction oyo pouvoir azali kotia na kati ya opinion. Distraction na pourquoi? Parce que bazali incapable ya ko justifier ba évasion nyonso. Makambo ezo sa emana ba beni kuna ba évasion Goma prison ezika ki tout ça nyonso na ka benti manga na une pèce. Donc ozomona ke ezali lokuta. Lokuta pe ya bolole parce que ezali lokuta moko etongami kutu mama malamute na mayele même pas. Donc yango biso tozolo babatika ba blague wana poto ko banga ngo pete soki ba meki ko simba moko na biso bakozwa réponse o bakozwa réponse koza ya peuple. Donc ba tozo toko banga bango ata mukete toko continuer mosala na biso ya ko changer makambo ane oyo tozali na yango 2017 pe changement ekosa. Merci beaucoup na suka mama poto yebi ke ye mutu aza ko pesa Corneille Nanga ba instruction wana. Yango toyebisi Corneille Nanga. Soka zali penza mwana mboka solo. Abimisa calendrier. Calendrier wana epesa biso maponomi ane oyo. Soki epesi biso mbulo te. Na ye. Na mutu aza kopesa ba instruction. Makamu na bango sila mbulo yo kaka. Po toko banda ba action. Po eko sala ke peuple. Eko senga kokende na bango. Rassemblement FIFA! Viva! Rassemblement FIFA! Viva! Rassemblement FIFA! Viva! 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 C'est l'ex-président. Merci. Voilà, merci. Ça y est, déjà d'avant, c'était Eloko Ninto Rosa, la tango au décrétant. Eloko Tokoyu Kolobasikoyo. Et Zali que Tina y a état d'urgence, et Zali qu'on se justifie. Et pour la violence, Union Soana au Bozali, qu'on mona et outi na Kanabango. Koboma ba policier ba sale loko moko te deja ba futa makama longate bongo boye susu kotia ko boma bande ko wana ba policier baza ba chef a famille ko tika ba famille na bango ba orphelin ça ne va pas. Donc eza biloko moko biso tozali ko condamner avec énergie to lingi koyoka lisolo ya état d'urgence te po mboka eza na bitumba te mboka elingi kimia mboka elingi mbongwana. Mbongwana ana ekouta na maponomi o tozali kozela. Tango bazali kosa biloko anengwana ezali po ba retarder maponomi wana esalemate bongo simana yango Joseph Kabila aya kozwa initiative ya referendum po alongo la constitution akoka komi présenter lisusu ekosalema na mboko te. Yango biso tozoloba asimba nzela na malembe akende po soki atali na histoire ya mboka ya mokili mobimba dictateur ata mokote avanda seko na seko dictateur asuka katini le peuple ne te doit pas raison en définitive yango tozali kolobane na bosse monyoso en attendant que peuple a la responsabilité na yango. Voilà, je vous remercie. Voilà.